recevons des cadres d'azote et des cadres d'hydrogène. Donc les cadres d'azote vont nous permettre d'inerter en fait les cylindres hydrogène, ce qui va permettre de travailler en toute sécurité car c'est un gaz en fait qui est non explosif et qui ne peut pas prendre feu. Et ensuite... Nous avons réussi ce matin à retirer la grappe du bateau. Et là, on a commencé le démontage de la bouteille numéro 3. Et on espère qu'on ne va pas avoir de mauvaises surprises. Donc on est assez content parce qu'à l'intérieur c'était assez propre. Pour moi ça a été l'occasion d'apprendre toute la partie inertage, comment est-ce qu'on dilue bien le gaz pour travailler en sécurité, et puis le remplissage, et puis voir comment vraiment sont faites nos connexions. Donc j'ai pu travailler avec Didier Bouix, qui est un des papas du bateau. C'était vraiment très intéressant.